tout le monde, un petit Beatles conjugué de trois façons différentes selon le niveau des élèves qui regarderont ça. Donc une version ultra light, où on va reproduire la basse, une version un petit peu plus compliquée à la manière de Marcel Dadi, je crois la faisait comme ça à l'époque. Et une version Didier, la version qui vous déplaît, où j'essaie de reproduire au plus près le piano. Donc on va partir sur la version 1, partie de basse, ça va faire ça. Donc nous allons décomposer tout ça, c'est simple. On part sur la corde de La et on fait deux coups. Donc de La, La, La. Do, Do dièse ensuite, en 3 et 4 sur la même corde. Donc ça ne devrait pas être trop dur. Je vous permets de faire tous les coups vers le bas. On bascule sur la corde de Ré et on fait deux coups. Tout à l'heure on faisait 3-4 joués, cette fois on va faire 3-4 en hammer. D'accord? Le premier coup sur la corde de La, on faisait 0-0, 3-4, tout joué. Et quand on bascule sur l'autre corde, on fait 0-0. Et là, on bascule dans le même temps pour faire un hammer, puisque la dernière note, ça va être le 2 sur la corde de Sol. Donc ça, c'est dans la foulée. Donc le tour ralenti. 3, 4, 3, 4. Donc j'ai juste changé la fin au troisième tour, hein. Premier tour il est comme ça. Deuxième aussi, troisième. Donc le troisième, le démarrage est à l'identique. Par contre la corde de Ré, 0-0, 2-2, en fait c'est le Ré, le Mi, le Fa, le Sol et un La que je glisse vers l'arrière. Mi, Fa, Sol, La. Pour ceux qui ont des problèmes, c'est 0-0, 2, 3, 5 et 1-7. Donc le tout. Voilà ce que ça donne. C'était la version 1. Ultra simple. Donc de retour pour le second travail autour de Lady Madonna, une version que jouait Marcel Dadi, enfin à la manière de Marcel Dadi. On va essayer de faire entendre deux choses en même temps. Donc on va essayer de faire entendre la partie guitare. C'est ça qu'on avait vu au premier exemple. Mais on va rajouter une partie qui va faire ça. D'accord, donc on va essayer de cumuler les deux. Donc deux voix différentes, une voix aiguë, une voix grave. Pour obtenir cet effet. Donc c'est parti, on décompose tout ça tranquillement. Les deux premières notes, on se souvient que la partie grave c'était facile, c'était deux cordes vides. Donc rien de plus simple. Donc vous pouvez jouer au médiator plus un doigt ou alors juste au doigt, c'est vous qui voyez. Donc moi je joue médiator et doigt, je laisse traîner en l'occurrence l'annulaire sur la corde de Si pour faire 1-2 en même temps que les deux cordes à bide. Au doigt ça donnerait ça. Là je privilégierais le majeur. Donc, premier plan. On est en croche donc c'est le premier temps en fait. Donc enfin, la partie grave, on va avoir à faire 3-4, pendant que de l'autre côté, on aura 1 et 0 à faire. Le 1 en aigu, corde de Si, c'est un Do. Après, j'avance récupérer le 4, corde de La, et un 0, corde de Si. Ça, c'est le premier plan. Je recale en 3 et 0. On remarquera que je laisse poser l'index puisque je sais que je vais avoir besoin de lui pour refaire le 1. 1, 2, 1. Donc ça c'était le deuxième temps.
troisième temps de croche encore, on est en croche depuis le début. On va faire la corde de sol, deuxième cas, c'est un La. Je prends l'index parce que je vais avoir après à utiliser majeur et annulaire. Et je pince avec la corde de Ré. Qui se souvient de la basse, on faisait 0, 0, 3, 4 et deux fois la corde de Ré. Donc voilà ce que ça donne. Donc, première partie. Ça c'est le premier temps. Deuxième temps. Troisième temps. Il nous reste le quatrième temps pour finir la mesure. Et c'est 3, 4 en hammer. Et on rajoute le 2 en aigu. En fait, on fait à ce moment-là que la partie initialement basse ou guitare. Si vous vous souvenez, c'était comme ça qu'on terminait. Donc, le tout. Et je répète. Donc, la troisième fois, je m'arrête au Ré et au La en même temps. Et cette partie-là va être remplacée par autre chose. Voilà par quoi elle va être remplacée. Donc, c'est la montée Ré, Mi, Fa, Sol, La, évoquée au cours du travail précédent. Donc, deux notes à chaque fois, Ré, Ré. On était ici. Je vais rajouter donc le Mi, mais je garde toujours le 2 en dessous. On peut le faire en barré, c'est comme ça que je préconise, moi. On pourrait le faire comme ça. Mais là, ça nous oblige à déplacer nos doigts. Donc, restez simple. Je barre pour obtenir 2 et 2. Maintenant, je vais chercher le Fa, casse 3, corde de Ré. Je garde toujours là-bas l'index posé. Je décale l'ensemble de deux cases. Décale une dernière fois de deux cases pour être en 7 et 6. Donc ici on a une fondamentale et une tierce majeure pour ceux que ça intéresse. Donc je refais la montée. Et vous avez l'ensemble. Troisième fois. S'en priver, c'est encore faisable. La partie 3 sera un petit peu plus compliquée. Donc à vous de jouer, allez-y tranquillement, ça va se faire. Il suffit vraiment de synthétiser temps par temps, après mesure par mesure, et tout est facile après. Rendez-vous au prochain épisode.